Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Univers Xiaomi. Alors aujourd'hui, on va revoir des produits de la marque Imilab. Alors Imilab est spécialisé dans la sécurité, elle avait déjà proposé, on vous avait fait une petite vidéo, donc sur la Imilab C21, et la marque revient aujourd'hui avec l'Imilab C22. Alors par rapport au design, comme vous pouvez voir sur le dessin, la C21 et la C22 gardent le même design, mais il y a quand même de gros changements. Alors, ils vont être affichés sur le côté de la boîte. On va arriver avec une résolution donc vidéo de 3K et surtout le support Wi-Fi 6. Alors, avant d'aller plus loin, on va passer donc directement à l'unboxing. Et donc voilà. Alors, on va retrouver bien entendu la caméra. On va retrouver également donc la documentation. Juste ici, donc dans plusieurs langues, voilà, dont le français. Donc, où vous explique un peu comment la fixer, par exemple, le produit également, donc il y a un haut-parleur, le trou de réinitialisation, etc. Il vous indique tout. Donc voilà, elle est en français, il vous explique comment la brancher. Pour trouver donc le papier de garantie, un câble d'alimentation, et ici, donc c'est pour la fixer au plafond. Donc on va pouvoir faire le tour de la caméra. Alors comme je l'ai pu vous montrer, on va retrouver ici donc l'objectif. Donc un objectif 5 mégapixels avec une ouverture f2.0. La résolution donc 3K. On va retrouver juste en dessous donc le petit port carte SD et ici donc le port micro SD et le bouton donc reset. Sur le dessous, on va retrouver donc les petits patins. Donc, pour éviter voilà, qu'elle glisse. Elle ne peut pas glisser comme ça avec les petits patins en caoutchouc. Et voilà pour le support donc à tourner, le support au plafond. Alors à l'arrière, on va retrouver un haut-parleur et juste en bas, donc la prise d'alimentation. Donc là, on va retrouver sur du micro USB et non de l'USB-C, c'est dommage. Mais voilà, on va retrouver donc le câble d'alimentation donc fourni avec un long câble. Voilà. Et donc on va la brancher, puis on va pouvoir tester donc cette caméra. Alors là, je viens de la brancher, on retrouve tout de suite sur le dessus une petite LED orange. Voilà, on va la laisser s'initialiser. Please use the mobile phone scan the QR code on the body labeled and the configuration interface. Waiting for connection. Waiting for connection. Alors maintenant on va passer donc à la connexion, on va utiliser donc l'application Xiaomi Home, donc elle est compatible Xiaomi Home. Alors dans Xiaomi Home, on va aller ajouter un appareil. Donc on est bien en serveur France. Et donc là on est dans caméra. To Wi-Fi completed. Pairing to account completed. Device online. Donc voilà. Alors, on va mettre qu'elle est dans le salon. On lui laisse le nom Imilab C22. Voilà. Donc on accepte tout. Voilà. Coucou. On est bien là. Et voilà, donc la petite caméra filme bien, voilà, on peut la bouger avec le petit rond ici.
Donc niveau qualité, on est en auto, vous pouvez la régler donc en résolution 3K. Donc là, regardez, voilà. Je vais le mettre. Donc, ce que je vais faire. Donc là, on est en qualité 3K. Je vais faire une photo qui va s'afficher donc dans la galerie. Et on va le remettre en 480p. Pareil, je l'enregistre. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer donc la différence d'image en plein écran entre donc ces deux résolutions. Donc, les petits boutons qui sont en dessous de la vidéo, vous allez les retrouver. Donc ici, c'est le micro. Donc là, vous pouvez parler directement avec l'interlocuteur donc, qui est dans la pièce. Donc ça permet de faire des appels bidirectionnels. Donc la personne vous entend, vous la voyez et vous pouvez l'entendre. Le bouton d'à côté, donc c'est le bouton pour faire des copies d'écran. Donc là, vous prenez la copie de l'écran qui est affichée. Et juste à côté, donc c'est pour faire un enregistrement de l'écran. Et juste au bout, vous avez donc les petits ronds, c'est pour afficher donc les commandes donc de la caméra, si vous souhaitez qu'elle tourne. Voilà. Si vous voulez avoir les boutons, il faut bien sûr appuyer dessus. Ensuite, vous allez retrouver comme les caméras habituelles, donc surveillance, playback et storage management. Donc la surveillance, ça va vous permettre donc d'activer la surveillance du domicile. Donc voilà, home surveillance. Donc ici, on va avoir tous les paramètres de surveillance du domicile. Donc vous pouvez, voilà, enregistrer donc en 24 sur 24 ou choisir des moments, donc soit surveillance la journée, donc de 8h du matin jusqu'à 8h du soir, ou la nuit de 8h du soir à 8h du matin, ou carrément donc customiser les heures du début et de fin. Vous allez retrouver également donc la sensibilité, donc soit haute, soit sensible. Donc vous pouvez déclencher différents intervalles d'alarme. Donc ça va de 3 minutes à 30 minutes. Ça va vous permettre donc de laisser un laps de temps avant que l'alarme se redéclenche une deuxième fois avec un deuxième mouvement. Vous pouvez également donc activer les notifications. Et donc aussi paramétrer donc les différents types de notifications que vous voulez recevoir, comme les mouvements détectés, les personnes détectées dans la zone surveillée ou les notifications lorsqu'il y a un bruit plus fort dans la pièce. Donc on va laisser comme ça, voilà. Et donc dans la surveillance, vous allez retrouver ensuite les différentes. Vous allez retrouver en haut le calendrier et les événements donc juste en dessous. Et donc pour revenir au paramétrage qui était là tout à l'heure, vous allez juste aller sur voilà, le petit anneau qui est en haut. Voilà. On peut revenir. Donc on vient à l'écran principal. On va retrouver également les playbacks. Donc là, il faut un abonnement pour cela. Alors, il vous explique les abonnements. Donc c'est 4,99 par mois par caméra. Pour un historique des événements sur 7 jours ou 5,99 par mois par caméra pour 30 jours. Alors après, vous avez bien entendu pour 1, 2, 3 ou plusieurs appareils et donc les montants seront affichés. Voilà, ça monte en fonction du nombre d'appareils que vous avez. Donc pour le playback, vous avez donc ça, c'était pour la partie cloud. Donc vous pouvez également donc insérer des cartes micro SD. Donc l'enregistrement se fera en local, donc directement sur la carte SD. Et donc vous pouvez aller apparemment jusqu'à 256 Go et la marque donc vous précise qu'il faut pour une carte SD donc vous pourrez enregistrer environ une journée, 32 Go 3 jours, 64 Go 5 jours, etc. Et on va retrouver également donc le storage management, donc soit le cloud. Donc là vous retrouverez les images si vous avez pris un abonnement cloud. Dans le local, donc c'est directement sur votre appareil, donc sur votre téléphone. Donc là, vous allez retrouver les photos que j'ai prises tout à l'heure. Et donc, carte SD, vous l'aurez inséré une carte SD. Donc voilà pour l'écran principal. Alors, sous la vidéo, je vous ai montré tout à l'heure pour changer la qualité d'image. Donc, on va revenir en 3K quand même. Voilà, vous pouvez éteindre la caméra. Voilà. Donc là, elle est en mode sommeil. Donc là, ça va vous permettre de garder une petite intimité chez vous lorsque vous êtes à votre domicile et que vous ne souhaitez pas que la caméra filme, vous pouvez donc la mettre en veille.
Donc on va la redémarrer, voilà. Donc elle redémarre très vite. Ici, ça va permettre d'entendre le son qu'il y a. Donc là, moi j'ai baissé. Voilà. Donc là, j'entends directement dans le téléphone. Et donc, ça vous permet d'entendre ce qu'il se passe dans la pièce. Donc voilà, il y a un petit décalage. Alors, je vais le couper. Voilà. Donc, le petit carré avec le 3K au milieu, donc ça vous permet de choisir la résolution. Donc, soit en automatique, soit le 80p, soit le 3K. Et vous pouvez également donc passer en plein écran. Voilà. Alors après, on va avoir comme tous les produits donc sur Xiaomi Home, les trois petits points en haut pour arriver aux paramètres. Donc on va appuyer dessus, on va retrouver donc les différents paramètres, donc caméra setting. Donc on va arriver sur le statue light. Le statue light, c'est la petite, le petit voyant qui est juste au-dessus là. Alors on peut le couper. Alors en appuyant, voilà. Et là, ça coupe. Donc ça évite de signaler à un intrus chez vous la position de la caméra. Et elle sera un peu plus discrète. Ça ne montre pas qu'elle est en fonctionnement. Alors vous pouvez également donc activer, si vous n'avez pas beaucoup de données sur votre téléphone, la limitation d'usage de la data. Donc uniquement quand vous êtes connecté en Wi-Fi. Alors ensuite, vous avez la rotation via des gestes pour faire pivoter donc avec des gestes la caméra. Vous allez retrouver donc les paramètres de sommeil. Alors, dans les paramètres de sommeil de la caméra, voilà, si vous l'activez, vous pouvez régler donc des temps d'inactivité de la caméra. Ça vous permet d'avoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, de l'intimité. Si vous rentrez tous les soirs à la même heure à peu près chez vous, vous pouvez régler donc des veilles définies. Ça vous permet donc d'avoir une totale intimité. On va retrouver donc l'image setting. Donc ici, on va retrouver l'eurodata, ça va être sur l'image. Vous retrouvez le Imilab en haut, ainsi que la date et l'heure de gravé, donc c'est le filigrane. Et ça vous permet de le retirer de l'image si vous ne le souhaitez pas. Vous avez également donc la correction de la distorsion de l'objectif. Donc ça vous évite d'avoir une distorsion, un écran à moitié arrondi. Et on va retrouver également donc le mode plage dynamique étendue. Donc là, il est désactivé. Donc ça va permettre d'améliorer la clarté de l'image pour les parties sous-exposées et surexposées. Et on va retrouver donc le Rotate Image. Donc si vous mettez la caméra au plafond, vous pouvez retourner l'image, puisque sinon, voilà, je vais vous montrer. Donc voilà, si je la mets au plafond, l'image est retournée. Alors, dans les paramètres, caméra setting, image setting, et ici dans Rotate Image, si vous faites Rotate, voilà, et on revient voir si ça a bien pris en compte. Et donc, si votre image est au plafond, voilà. Si la caméra est au plafond, là, elle est à l'envers et l'image est bien affichée à l'endroit. Donc, je vais le remettre. Et voilà. Donc on a fait le tour donc, de l'image setting. Après, nous allons retrouver donc la vision nocturne. Donc cette caméra va proposer la vision nocturne couleur en basse lumière. Donc voilà, full couleur avec une basse lumière. Donc ça vous permet de ne pas avoir une image noire. Voilà, alors là on peut switcher automatiquement, on l'a entendu, il a claqué. Et soit l'activer tout le temps, soit le mettre sur off. Donc on va le laisser comme ça, on va revenir voir la caméra. Donc voilà, là on est en lumière totale, plus de lumière. Voilà, je mets une légère lumière. Donc on va retrouver également donc, la caméra calibration. Donc, ça va vous permettre de refaire ce qu'elle a fait au tout début, donc faire ses tours pour se calibrer. Donc vous pouvez également donc, activer le tracking humain. Donc lorsque quelqu'un est détecté, lorsqu'il y a un mouvement détecté d'une personne, la caméra donc avec son moteur va suivre la personne détectée. Donc le pop-up window, ça vous permet d'avoir voilà, un petit pop-up sur votre écran, d'afficher
et on va retrouver donc le volume sonore de la caméra que vous pouvez ajuster ici. Donc on va le laisser nous pour la vidéo à 100% pour l'instant. Donc après vous allez retrouver le Home Surveillance Setting. Donc là on a déjà fait le tour tout à l'heure, c'est exactement les mêmes paramètres. Les paramètres donc de l'IA. Donc la caméra va adopter un algorithme IA avancé et puissant avec une détection de zone, une détection humaine précise à 99,9% et un suivi mouvement comme on l'a pu voir tout à l'heure. Donc là vous pouvez créer des zones de surveillance. Donc voilà. Alors vous pouvez les régler par période et surtout régler par exemple une zone. Alors si à la maison vous avez une zone que vous souhaitez particulièrement regarder, par exemple je surveillais l'autre caméra, voilà, donc là ça surveillera que cette zone et ça vous précisera lorsqu'il y a un mouvement dans cette zone. Donc vous pouvez régler également donc, la période sur laquelle elle va surveiller la zone. Donc dans le Manage Storage, donc là vous allez avoir la carte SD et la possibilité donc de sauvegarder sur un NAS. Après vous allez retrouver le Xiaomi Home Secure, donc là c'est le cloud. Vous retrouvez les tarifs d'abonnement qu'on a pu voir tout à l'heure. Et ensuite vous allez retrouver donc les paramètres habituels, le device, le nom de l'appareil, la localisation, donc nous on l'a mis dans le salon, vous pouvez changer de pièce à tout moment. Vous pouvez partager l'appareil avec quelqu'un. Vous retrouvez les automatisations, la mise à jour de la caméra. Et là, vous allez retrouver les différentes infos. Donc voilà. Donc voilà, on a fait le tour donc, de la Imilab C22, cette petite caméra donc, de la marque Imilab. Alors, petite caméra ne signifie pas pour autant zéro nouveauté. La marque propose tout de même pour cette caméra donc, une résolution 3K. Et le support Wi-Fi 6 et également elle est compatible donc Xiaomi Home Server France. Alors souvent la marque proposait des produits au début sur son application donc Imilab Home et là elle est directement compatible Xiaomi Home. Alors après les mauvais points donc, de cette caméra, ça va être la traduction des menus. Alors qu'on a pu voir pendant la vidéo, les menus sont pour le moment en anglais, on espère une traduction rapide en français. Et bien entendu, donc le cloud qui est désormais payant. Mais pour contrer ceci, vous pouvez toujours donc, utiliser une micro SD pour faire vos enregistrements en local. Donc voilà, la vidéo est terminée. Comme habituellement, on vous met les liens d'achat donc en description. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur Univers Xiaomi. À bientôt!